aujourd'hui la lettre tête. Alors, est-ce que l'alphabet est bien rentré dans votre tête? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On récapitule. Ça se passe du côté de l'écran. Nous avons vu le Aleph, le Bet et le Vet, le Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Chet. Et aujourd'hui, le Tet. Alors, le Tet, c'est une lettre que vous allez voir de temps à autre. Ça ne fait pas partie des lettres qui font partie de la syntaxe hébraïque. Donc, vous allez le voir quand on aura vraiment besoin du son T. Il y a une autre lettre qui a le son T en hébreu, c'est la lettre Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet. Donc, on a deux lettres qui se lient T, évidemment. Historiquement parlant, elle ne se lisait pas forcément pareil. Mais en hébreu moderne, on a facilité tout ça. Et il y a des lettres aujourd'hui qui se lisent pareil que d'autres. Vous voulez suivre notre formation en ligne à cours d'hébreu le club? Alors rendez-vous sur acoursdhebreu.fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z. Ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Beivrit.